Faire voltiger un pipère, c'est une espèce d'équation impossible entre un avion qui n'a pas de puissance, 65 chevaux dans le nez de ce pipère à aile courte. Et néanmoins, c'est suffisant si on sait utiliser l'altitude pour prendre un peu de vitesse et transformer l'altitude en vitesse, autrement dit l'énergie potentielle. Les œuvres de Ravel sur la chute de William Mills, c'est complètement trompé, il est à contresens. Mais pour l'instant, GG, il fait l'imbécile, il joue le rôle d'inal de la patrouille des pipères venus de Toulouse. Non, ils partent tout ça. En France, on doit avoir actuellement une petite centaine de ces pipères. Et un cajun, évidemment, d'origine vendée. Je vous dis pas l'inquiétude des mouettes du coin quand elles entendent ça.